قناة الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. Le prix de l'émeraude. L'émeraude est probablement la gemme la plus difficile à chiffrer. Cette pierre est naturellement très incluse et c'est là toute la difficulté de l'exercice. معاد الشوائب تكون بالعين المجردة، لا نستعمل المكبرة لمعرفة الشوائب. ولهذا إذا شاهدت شخص يقوم بمعاينة الشوائب في الزمرد فاعلم أنه أحمق أخرق ولا يفهم شيء في الزمرد. بخلاف ذلك الألماس تعتبر حجرة الألماس نقية صافية 100% إذا كانت بمكبرة مقدار 10 درجات لا يمكن مشاهدة أي شوائب. لكن بالنسبة للزمرد يعتبر الزمرد نقي صافي 100% إذا كان لا يمكن مشاهدة شوائب بالعين المجردة. أما المكبرة فليس هناك زمرد صافي إذا استعملنا المكبرة. Prix de l'émeraude. Il est important d'être bien conseillé lors de l'achat d'une émeraude, comme c'est le cas pour les rubis. Les émeraudes sont couramment traitées afin d'en améliorer artificiellement la qualité. Vous devez donc exiger un certificat indépendant et reconnu lors de l'achat. فبينما الياقوت يتم معالجته بواسطة التسخين هيت أو الحرارة، فإن الزمرد يتم معالجته بواسطة التزييت أويل. يتم غمسه في زيت، هذه الزيت تقوم بإخفاء العيوب التشققات، وهذه الزيت غالبا تكون لها صبغة خضراء، وهذه المعالجة ممنوعة قانونيا وأخلاقيا. أما إذا كان الشخص يبيع زمرد مزيت فعليه أن يصرح بذلك وأن يظهر ذلك ويثبت في الشهادة، وإلا كانت ليس كوهي الشهادة. La pureté, après le poids, il s'agit du critère le plus important dans le prix de l'émeraude. Si elle est très pure, une émeraude peut atteindre un prix élevé, sans pour autant être d'un verre profond. Les émeraudes sont le fait du gemme naturellement très incluses, mais les perles d'exception rarement pures à l'œil possèdent des inclusions visibles à l'œil. On s'attache donc à la cristallisation de la pierre, la façon dont elles captent la lumière. Les émeraudes de basse qualité sont en effet plus translucides que transparentes et n'ont que peu d'éclat. Leur prix est alors très bas. Et donc, la liste de l'achat, c'est que c'est un homme qui a besoin de zéro. Ça, là où tu as mis une main, chez Ham Chitin, le roi a besoin de zéro à sa vie, à وأغلب الزمرد يكون معجن أو شيء شفاف، وهذا تكون درجته متدنية وسعره متدني، بخلاف الزمرد الصافي النقي فإنه يصل إلى أثمنة مرتفعة قد تلامس أسعار الألماس وقد تتجاوزها. Émeraude pureté. Plus une émeraude est brillante et cristalline, plus son prix augmente. Il ne s'agit pas de juger le nombre d'inclusions dans la pierre, mais l'impact qu'ils ont sur son état. Et donc, quand on prend une émeraude, on va se faire des choses que je fais, des points. C'est ça, mais c'est comme une étude à l'intérieur de la pierre, à l'intérieur du carbone. لكن بالنسبة للزمرد أليس الأمر كذلك؟ لا نقيم الزمرد على حسب عدد النقط فيها أو الخطوط أو الشوائب، وإنما نرى
دابا ريقها وتعلقها، فكلما كانت كذلك يعني براقة لامية زادت قيمتها وزاد سعرها. وتقييم هذه الأحجار يكون شيء شخصي يعني تقديري، ولهذا فالمسألة لا يمكن أن يقول أي شخص بل الخبير الجهبي هو من يستطيع تقييم الزهور. Ainsi, les inclusions discrètes, même visibles à l'œil nu, sont tolérées tant qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour nuire l'éclat de la pierre. En revanche, lorsqu'elles sont visibles à l'œil nu, les inclusions brunes ou noires sont jugées avec sévérité. Et donc, les petits chawaïk de Zumur, تأثير هذه الشوائب على سعر الزمردة يرجع إلى مجموعة من الأمور. فحتى لو كانت الشوائب مرئية بالعين مجردة فهي لا تضر إذا كانت لا تؤثر على طريق الزمردة وعلى جمالتها وعلى تألقها، لكنها تنقص بطبيعة الحال من السعر. لكل عذر الستار دي روبي وزفير دي زمرد، le plus intense en couleur sont le plus rare et le plus recherché. Donc, اللون طبعا الحال كل ما كان اللون عميق زادت قيمة الحجر كما هو شأن الزمرد والياقوت الزفير والياقوت. وكلما كان اللون باهتا نقص سعر الياقوت الزمرد. Ainsi, plus le vert de la pierre est profond, plus son prix grimpe, à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop sombre et de mille pureté. Dans ce cas-là, je suis en train de faire le cas de la carna. Elle a été sombre, yani, quand tu as le hajar. Elle a été en train de faire le cas de la carna. Elle a été en train de faire le cas de la carna. Elle a été en train de faire le cas de la carna. Elle a été en train de faire le cas de la carna. Il ne faut cependant pas négliger les couleurs plus légères lorsqu'elles sont de très belle pureté. Ces pierres ont un super éclat proche du zir, du zafir et du rubis. Quand elle est venue, c'est le zomor du shtar bad al-hazar qui va de l'amak et de l'alam. Mais jamais elle n'est pas arrivée à un nahar et c'est l'ami qui a fait l'homme. Il a l'akhdar bayd. Il a tout l'air de tout ça. Il est jiddan. Contrairement au zafir bleu, roi, et rubis sans de pigeons qui sont des tonalités très précises et recherchées, il n'existe pas de tonalité de verre considérée comme étant la plus belle pour une émeraude. C'est encore une fois la pureté qui prime. Émeraude sombre. Il existe cependant une différence dans la couleur des émeraudes selon leur origine. Pour ne citer que les deux origines les plus connues, eh bien, il existe des exceptions. Les émeraudes du Brésil sont généralement d'un vert légèrement teinté de jaune, là où l'émeraude de Colombie se teinte en bleu. De plus, les émeraudes à des teintes rallies, là où Brésilie, là où l'Akhdaniani et l'Asphar, ou bien l'Akhdaniani Safra, ou bien l'Asphar Khafifa Safra. في حين الزمرد الكولومبي الشهير تميل زرق خضرته الى الازرق. Dans la mesure où les pierres de Colombie sont plus rares, cette différence de couleur a donc un impact sur le prix du minerai. Émeraude de Colombie, l'origine. En effet, le Brésil est de loin le principal producteur d'émeraudes de qualité joaillerie. Et bien que les émeraudes de Colombie soient encore aujourd'hui les plus connues, leur production a énormément baissé. Et dans le Zomorod brésilien, le Brésil est une tige. Akbar Kima, le Zomorod à la Saïd Alani. Berma, la Colombie, il y a un acteur qui a fait un majeur. La Kinéji, moi, il faut un.
تتيقن وتعرف أن الزمرد الكروبي في تناقص، يعني المعرض قليل. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية أن العبرة بالخصائص وليس بالبلد. يعني حنا نقول زمرد كروبي له خاصية معينة، إذا توفرت هذه الخاصية في أحجار من دولة أخرى فإنها تكون لها نفس القيمة، أو يعني لا ليس العبرة بالبلد، لا. Les mines colombiens ne produisent plus que quelques certaines pierres de qualité joaillerie selon les ans. Les plus belles émeraudes de Colombie atteignent désormais plusieurs dizaines de milliers d'euros par carat. C'est donc tout de même les émeraudes de Zambie, dont le prix est similaire à celui des pierres brésiliennes, mais également des émeraudes de Pakistan, l'Afghanistan. Ces deux origines, bien que moins connues du grand public, sont très recherchées par les maisons de joaillerie. Dans la Bouddhane, Tissadaka Dikora, Pakistan, Afghanistan, Zambia, مطلوب من الماركات العالمية المتخصصة في المجوهرات. Les émeraudes de la vallée de Swat et de la vallée de Bandishir, bien que généralement petites, sont de très haute qualité. Leur prix peut atteindre plusieurs milliers d'euros par carat. Et ce même dans des poids d'inférieur de 0.50 كا. كلما زاد الوزن زادت القيمة، هذه قاعدة صحيحة، لكن مع ملاحظة الجودة. فإذا أخذنا حجرين مثلا، حجر فيه قيراط وحجر فيه 10 قيراط من الياقوت أو الألماس من نفس الجودة، العشر قيراط سيكون أفضل من القيراط، لكن أحيانا قد تجد حجر صغير وحجر كبير، والصغير أغلى من الكبير لأنه ليس هناك نفس الجودة. La forme, les cristaux d'émeraude sont naturellement faits pour réaliser des tailles d'émeraude rectangles à pans coupés ou des ovales. Ce sont ainsi les deux formes que l'on reconnaît le plus souvent. Vous avez vu que le cristal est différent. حتى حينما تكون الحجر آخر يعني الماس أو الياقوت يأخذ هذا الشكل فإننا نسميه طي إمرود. هذا هو الشكل الأكثر في الزمرد. طي إمرود هي plus exigeante pour les pierres de rude et laisse en effet apparaître les inclusions plus facilement qu'une pierre de forme ovale et demande donc des matières de meilleure qualité et de ce fait plus onéreuse en prenant plus de pertes de poids lors de la taille, les poids sont plus rares et donc plus onéreuses. Taille émeraude. Les émeraudes sont rondes, ne sont courantes que dans des petites dimensions inférieures à 5 mm. Les diamants, diamètre plus important, sont très rares. Car une pierre brute dans laquelle on peut tailler une pierre ronde permet généralement de tailler une pierre ovale beaucoup plus lourde. Rappelons que dans les petites dimensions, l'émeraude est la pierre la plus chère lorsqu'il est de belle qualité. Ainsi, une émeraude ronde, même de 3 mm, atteint facilement 2000 euros par carat s'il est belle pureté, un prêt comparable à celui d'un diamant.